Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du prochain personnage arrivé dans le Nexus, en tout cas les teasers qui ont été faits, et c'est vrai que beaucoup de choses semblent indiquer l'arrivée d'un personnage de Diablo. Pour ça que la musique vous l'entendez bien entendu, Mephisto semble être en provenance. Alors on va commencer par faire une petite chronologie avant de parler du personnage. On va commencer par parler d'une petite chronologie des teasers. Le premier teaser a été celui-ci, et c'est vrai que quand on voit ça, bah, on se dit bon, tout est open. Je veux dire, le symbole central, bien sûr, c'est le symbole du Nexus. Ensuite, il y a un triangle et des espèces de boules magiques, enfin des espèces de liens magiques qui sont en train de se traîner les uns vers les autres. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'avec ce teaser, on se dit ah tiens, ça peut être intéressant, ça peut être pas mal de persos. Faut imaginer une espèce d'arcaniste. On pourrait imaginer, c'est bête, mais on pourrait imaginer Archimonde. C'est vrai, mais Archimonde, rappelez-vous, quand il détruit Dalaran, il fait des cercles, etc. De ce genre de choses runiques. Bien entendu, on peut penser des démons de Diablo. On peut penser à des démons de Diablo. Mais honnêtement, moi, la première chose qui m'a choqué, soyons honnêtes, la première chose qui m'a choqué, c'est justement ces espèces d'incantations. Avec une couleur jaune. Et généralement le jaune c'est pas forcément le jaune c'est la couleur de la passion. Le jaune c'est pas forcément une couleur hostile. Et c'est vrai que moi tout de suite j'y ai vu Orphéa. Je me suis dit tiens, Orphéa, celle qui peut justement lier tout ça, premier personnage à venir du Nexus. Eh bien non, il semblerait pas que ce soit Orphéa. Et je suis très très content du personnage qui arrive, même si je suis très déçu malheureusement de la manière dont il a été amené, puisque forcément le teasing était très très cool. Honnêtement, avec ça vous pouviez y avoir plein de possibilités, que ce soit de juste pas d'Overwatch, mais sinon Diablo, Starcraft, Warcraft. Starcraft peut-être un peu moins aussi, mais Warcraft, Diablo, c'était vraiment les deux univers centraux. Ça faisait très magie, très héroïque fantasy. Donc c'est vrai que sur le papier il pouvait y avoir pas mal de choses, ainsi que bien sûr du lore inhérent au Nexus. Malheureusement Blizzard Allemagne semble avoir chié dans la colle. Puisque, eh bien, sur la page source du tweet de Blizz Heroes, donc DE pour Dutchland, eh bien, nous avons eu un gros problème, puisque, eh bien, évidemment, plein de petits malins qui arrivent à dataminer plein d'informations. Très souvent, c'est du datamining de PTR, où justement, on récupère des informations. Et là, en l'occurrence, c'était du datamining de Twitter. Et malheureusement, eh bien... ce qui est embêtant, c'est que nous avons eu l'image avec le nom de l'image, c'est tout simplement teaser for Mephisto. Et là, tout de suite, bien entendu, le petit gars qui a trouvé ça, il est super content, il est ultra hype. Ouais, c'est super, c'est Mephisto, tout ça. Mais le souci, c'est juste que bah ça fasse. Moi, honnêtement, ça me casse les couilles. Soyons honnêtes, ça me casse les couilles parce que j'ai envie de découvrir le personnage. Alors le teaser c'est censé voilà nous faire réfléchir, nous pousser à la réflexion, mais on n'est jamais forcément toujours sûr avant d'avoir l'image. Et bah là c'est ça annonçait quasiment à 100% que c'était Mephisto, sauf si Blizzard, je dirais Blizzard pouvait, alors Blizzard a déjà fait ça par le passé, leak des faux, enfin feinter des leaks pour ressortir quelque chose qui n'avait rien à voir. Et du coup c'est vrai que Ça peut être intéressant. Je rappelle aussi que par exemple j'avais fait une vidéo pour parler un petit peu des leaks qui avaient été faits concernant les sorties de perso. À l'époque c'était Blaze, le Firebat. Et il y avait bien justement quelqu'un qui, alors je crois que c'est Axolot là, qui avait, c'est le nom de l'ex-employé Blizzard, en tout cas, mais quelqu'un qui a des informations et qui balançait ce genre d'informations. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de gens disent oui, il a 100% de réussite. Non, il a pas 100% de réussite, et c'est bien plaisant pour nous, parce que justement, il avait annoncé qu'après après le Firebat, on aurait le droit à Mal'Ganis et Belial, enfin Belial et Mal'Ganis dans l'ordre d'ailleurs. Et au final, on a eu ni l'un ni l'autre pour le moment. Bon, je suis un peu triste parce que c'est deux personnages que j'attends beaucoup, mais ça fait plaisir. Ça veut dire que voilà, les leaks sont pas totalement vrais, et du coup, on aurait pu tout avoir avoir un bait, c'est-à-dire un appât, une feinte en mode oui, c'est marqué teaser for Mephisto, et en fait, pouf, pas du tout. Bon après, honnêtement, la communauté Diablo a très 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 mal pris l'arrivée de Sally Whitemane. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est la porte, ils s'attendaient à Imperius et ils se sont créé un délire. Et au final, la communauté Diablo a pas du tout apprécié l'arrivée de Sally Whitemane. Mais genre vraiment pas, hein. Genre vraiment vraiment pas. Et des fois la communauté Diablo elle est vénère quand même. Et du coup, c'est sûr que là si c'était teaser for Mephisto et un nouveau bait,
Oh là, ça aurait été violent. Là, je pense que ça aurait été vraiment violent. Mais du coup, on a le nouveau teaser du prochain perso qui arrive. Et cette fois-ci, on a plus vraiment, il y a plus d'équipe. Enfin, là, c'est sans équivoque. Ça devrait être Mephisto, le prochain personnage du Nexus. Donc, le but de cette vidéo, bien entendu, va être de parler un petit peu qui est Mephisto pour les joueurs qui ne sont pas forcément de Diablo. Bien entendu, je vous invite à suivre l'histoire d'un héros sur l'univers de Diablo qui est complété, je le rappelle. On en fera un spécial Mephisto, bien entendu. Mais là, l'idée, c'est d'en faire un tout petit, raconter un petit peu rapidement quel est ce personnage. Mais du coup, avec ce teaser, qu'est-ce qu'on y apprend? On a justement le background, le fond est très important puisque c'est tout simplement le temple, un ancien temple du Zakharum, donc un temple de la lumière. Vous savez, Johanna appartient à l'église du Zakharum. Et bien c'est un temple, un ex-temple du Zakharum qui est situé à Kourast. Kourast qui est tout simplement une ville-temple où était enfermé Mephisto, l'exil noir bien entendu. Et du coup, à côté de ça, nous avons également le symbole, cette espèce de pentacle triangulaire qui est très important puisque c'est le symbole de la triune qui était pendant la guerre du péché, l'église tout simplement des démoniaques qui était dirigée par trois personnes, à savoir Baal, Diablo et bien sûr le grand Mephisto. Du coup, c'est vrai que là on est quasiment certain, ça devrait être du Mephisto. À noter que nous avons d'autres choses intéressantes que moi-même j'ai découvert suite à ces teases que je ne savais pas forcément. Alors on en parlera de Mephisto après, mais par exemple ces runes qui sont à côté, moi personnellement je pensais que c'était des runes, voilà, pour toujours des petites runes un petit peu, voilà, qui veulent à la fois tout dire et rien dire, qui donnent un petit peu l'appellation, voilà, c'est des symboles magiques, démoniaques, tout ça. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Alors déjà, avant, si vous mettez cette image plein de lumière, vous voyez justement l'ombre de Mephisto derrière qui est projetée vers le mur, et du coup là on voit vraiment les bras, la silhouette assez assez frêle. Et justement, voilà, pour vous présenter, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble Mephisto, c'est tout simplement ce personnage là. Je me suis un peu fail, j'ai mis l'autre image, mais du coup cette image là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Mephisto avec son look justement dans Diablo 2. Le truc, donc c'est une silhouette très allongée, c'est une espèce en fait de buste. Il y a un squelette avec l'épine dorsale et un buste très fin avec des bras. Le côté manipulation, bien entendu, des longues griffes, etc., des cornes pour l'aspect démoniaque. Alors n'oubliez pas, bien entendu, je vous invite, parce que je pense honnêtement que l'apparence qui est ici ne sera pas gardée par Blizzard pour Heroes of the Storm. Ce sera peut-être une autre apparence, ce sera peut-être une apparence alternative. Mais le problème en fait de cette image là, c'est que Mephisto dans Diablo 2 ressemblait énormément à Diablo, tout simplement. Le truc c'est que Diablo c'était le mec ultra massif, et vous aviez Mephisto qui était l'être tout chétif. C'était pour montrer aussi la grande différence avec le seigneur de la terreur d'un côté, Diablo qui était la force massive, l'élément brutal, tout en ayant bien sûr le côté terrifiant. Et à côté de ça, vous aviez Mephisto qui était la haine, le seigneur de la haine, qui est le manipulateur, celui qui dirige, celui qui est dans l'ombre et qui orchestre tout ça. C'est un grand manipulateur, et du coup, vous avez déjà un petit peu l'aspect du personnage, ce qui devrait du coup être normalement un mage ou un off-sup ou un support. Mais je pense qu'on devrait partir sur un mage, ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu en plus, donc je pense qu'on devrait être sur un mage. Alors justement, pourquoi je parlais de son apparence? Son apparence a été par Redcon, parce que je rappelle que ce n'est pas contrairement à Warcraft dans Diablo, il n'y a pas... ces Redcon sont expliqués, en fait, sont logiques, puisque un démon peut avoir plusieurs apparences, en fait. Et ça l'avoir mis dès le début... c'était parfait, parce que comme ça tu peux faire vieillir ton personnage, tu peux le changer, puisque je rappelle que les démons, notamment Mephisto avec son apparence dans Diablo 2, possédaient... Alors j'ai un trou, il faudrait que vous regardiez l'exil noir, mais j'ai un trou sur le nom du personnage, mais il a tout simplement possédé le grand prêtre du Zakharum. Et du coup en fait il l'a possédé, et du coup ce qui fait qu'il a une apparence qui ressemble un peu plus à l'humain qu'il a possédé. Tout comme Baal avec Tal Rasha, exactement. Donc c'est vrai que Mephisto a cette apparence dans Diablo 2, mais ce n'est pas forcément son apparence unique. Et certains personnages comme Asmodan, Asmodan c'est un peu la fashion victime, hein, il peut changer d'apparence très souvent, c'est le seigneur du péché, etc. Donc on imagine qu'il a changé d'apparence plusieurs fois. Et en l'occurrence, ce qu'on devrait avoir comme apparence pour Mephisto dans Diablo
dans Heroes of the Storm, pardon, c'est cette apparence-ci qui est une apparence faite pour lors d'un artwork absolument magnifique sur les 20 ans de Diablo. Tapez 20 anniversary de Diablo, je pense que vous allez trouver l'image complète, elle est magnifique. Je l'utilise très souvent dans mes histoires d'un héros parce que le modèle est superbe, notamment concernant Lilith, pardon, Duriel et Andariel. Et au final, Mephisto devrait du coup avoir un code couleur propre. Je rappelle que les pierres d'esprit avaient des codes couleurs propres, Diablo rouge, balle jaune, et on a du coup eh bien Mephisto qui avait la bleue violette. Et du coup Blizzard, pour faire en sorte que les démons soient reconnaissables par la communauté, chaque personnage a un code couleur. On a Diablo c'est rouge, balle c'est jaune, Mephisto c'est bleu violet, Belial c'est vert, etc, etc. Bon, il y a juste Duriel, Andariel et Asmodan qui n'ont pas vraiment d'apparence, enfin ils ont une apparence suffisamment différente pour pas avoir un code couleur. Mais du coup pour Mephisto, eh bien, on a le code couleur bleu à prédominer. Je vous rappelle que quand vous jouez à Diablo 3, notamment Reaper of Souls, il y a énormément de passages où Mephisto parle, où Lilith parle de son père, etc. Et on voit Mephisto avec un crâne et des lumières bleues. Alors c'est sûr que du coup ça le fait ressembler un peu plus à Kel'Thuzad avec cette couleur. Mais c'est très important parce que je pense que c'est cette apparence là qui sera gardée pour Heroes of the Storm. Mais il est possible que cette apparence là soit une couleur alternative pour les fans de Diablo 2, ce qui serait parfait. Mais voilà, ne vous choquez pas, ne vous soyez pas en mode oh là là, mais pourquoi il ressemble pas au Mephisto que j'ai connu dans Diablo 2. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et je vous rappelle que Diablo lui-même peut changer d'apparence. Dans Diablo 1 et Diablo 2, il avait pas la même apparence. Parce que, bon, bien sûr, c'est le gameplay aussi, mais parce que, voilà, il avait possédé deux personnes différentes, et du coup, sa stature, son physique, évolue en conséquence. Tout comme avec Léa dans Diablo 3. En l'occurrence, dernier point donc, que je voulais aborder, c'était les runes que j'avais évoquées, qui sont très intéressantes, puisque c'est là que vous voyez que Blizzard a le diable est dans le détail, évidemment, avec Mephisto, puisque deux des trois runes sont Hort et Tull, qui sont des reliques dans Diablo 2. Alors là, bien joué au mec, parce que franchement c'est très précis. Et du coup, on le rappelle, mais Mephisto, eh bien voilà, trois de ces... Alors bien entendu, il y a le côté triune, hein, le côté triple symbole. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mephisto, du coup, Hort et Tull, donc Hort et Tull, c'est tout simplement le tonnerre et le froid, et c'était deux des sorts principaux de Mephisto. Et oui, puisque Mephisto est tout simplement un... Si jamais c'est un mage, ce serait une sorte de mage élémentaire avec énormément de pouvoir de foudre et pouvoir de glace, mais surtout, enfin, pouvoir de foudre en premier, pouvoir de poison et ensuite pouvoir de glace. Il manie ces trois pouvoirs là. Après, on sait pas trop ce qui va être utilisé principalement par Blizzard là-dessus, c'est difficile à dire. Sachant qu'il avait également peut-être un ultime qui lançait une espèce de pyroblast. Enfin, c'est pas un pyroblast, mais il lançait une espèce de crâne immense en fait. Un impact magique, un crâne immense sur un ennemi et qui pouvait one-shot à l'époque de Diablo 2. Donc, est-ce que ce sera réutilisé ? Difficile à dire, mais en tout cas voilà, ce qui devrait, je pense, il devrait plutôt s'orienter sur le côté foudre avec peut-être 2-3 sorts de poison et de froid. Le problème, moi, ce qui me fait peur, c'est que si tu utilises le froid, on aurait un écho direct à Kel'Thuzad et les deux personnages ont une apparence qui peut, alors elle est très loin, elle est quand même lointaine, mais ils peuvent se ressembler, l'apparence frêle, des sorts de glace, etc. Donc je pense qu'on devrait plutôt avoir une espèce de mage de foudre avec peut-être un petit peu de poison. On pourrait tout à fait l'avoir en 9 sup. C'est d'ailleurs, je crois, ce qu'avait suggéré Carbot lorsqu'il avait fait le hit Bekulif Mephisto. Avec du coup eh bien son idée que Mephisto pouvait un petit peu l'image d'un abattur, se projeter. Ça, je pense qu'on le gardera pour Belial et que là on devra avoir plutôt un mage classique. Mais d'un autre côté, en 9 sup ou en support, c'est tout à fait considérable. Étant donné que Mephisto est un manipulateur. C'est quelqu'un qui orchestre tout ça derrière en coulisses. Donc, sachant que Descartes Kane, dans le livre de Kane que j'ai juste à droite là, il évoque justement que Mephisto est peut-être le plus dangereux des 7, étant donné que c'est le plus intelligent des 7. Donc voilà, c'est quand même très intéressant d'avoir Mephisto. Personnellement, c'était c'était le personnage de Diablo que j'attendais le plus. Je mettrai bien sûr dans la description le lien pour que vous voyez un petit peu les autres personnages que j'attends de l'univers de Diablo. Mais je suis très 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 content. Mephisto, c'est l'un de mes personnages préférés de l'univers de Diablo.
Après, là où je suis triste, c'est juste comment il est arrivé avec ce leak qui a été montré. Je suis assez triste parce que ça m'a cassé un peu ma hype. Mais bon, du coup, j'adore le personnage. N'hésitez pas aussi à les consulter. Je mettrai dans la description le lien vers le... peut-être je mettrai le Hibiku, le if de Carbot, mais également le concept d'un héros justement qui avait mis Evanessor concernant Mephisto, que vous voyez un petit peu justement des inspirations qui pourraient être faites. Le personnage sera reveal bientôt. Dès qu'il y aura le spotlight, je ferai une nouvelle vidéo pour voir un petit peu juger de son gameplay. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu hypé sur le perso, vous aura montré un petit peu quels sont les aspects du personnage et ce qu'il devrait retranscrire dans son gameplay. Du coup, voilà, n'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions concernant Mephisto, il y a les histoires d'un héros pour Diablo si vous voulez en connaître davantage sur l'histoire de Diablo et de Mephisto. Moi, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. Hey, si toi aussi t'as aimé cette vidéo et tout le travail de Mal'Janir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Et oui, il te fera des bisous en plus, il te remercie. Puis dans la description, il y a aussi Twitter et Facebook. N'hésite pas à le soutenir. Allez, salut, bisous.